C'est devenu une tradition. Depuis 1864, les Mauriciens se rendent à Sainte-Croix, à Port-Louis, pour un pèlerinage au tombeau du bienheureux Jacques-Désiré Laval. Pendant toute la journée et la nuit du 8 septembre, le tombeau ne cesse d'accueillir les pèlerins. Ceux qui sont là, c'est pour rendre hommage, alors que d'autres, c'est pour des prières, pour retrouver leur guérison, bref, pour leur bien-être. Jacques-Désiré Laval, l'apôtre des Noirs, comme le surnomme, était venu à Maurice pour aider les affranchis et les canaliser vers une vie saine que les colons de l'époque n'appréciaient guère. Il mourit le 9 septembre 1864 et le 29 avril 1979, il fut beatifié par le pape Jean-Paul II à la basilique Saint-Pierre de Rome. Même après tant d'années, le père Laval continue à attirer la grosse foule. Mauritius News a été à la route Nicolet à Port-Louis pour faire la messe. Oui, la messe du père Laval. Et tu l'es venu faire ça? Oui, tu l'es venu. Un petit mot? Il nous fait marcher en famille, bien intéressant. Pendant marcher, nous payons Laval. Père Laval qui fait beaucoup pour nous, qui est de ce bon enfant. Vous priez pour tout le monde, vous priez pour l'île Maurice. À deux là-bas. Nous, nos buts, nous croyons dans l'unité nationale, chacun se croyant. Et nous solidaires avec eux. Voilà.